Bonjour, monsieur le jardinier. Votre arrosoir est toujours aussi fantastique. Il arrose tous les végétaux tout seul. Ah, ça oui, Julie. On peut compter sur lui. Hé, la poule! Arrête de manger toutes mes graines de haricots, sinon rien ne va pousser. Mais ça pousse comment, un haricot? Je vais te dire. Allons, mais ne te désole pas, Grégoire, ce n'est pas la fin des haricots. Observe ce qui se passe quand tu sèmes des graines au printemps. Dans une bonne terre, avec un peu d'eau, un peu de temps, de la lumière et de la chaleur. Oh, nous voici déjà à la fin du printemps. Et maintenant, c'est l'été. Les fleurs se sont transformées en gousses. Oui, je comprends. Et toutes ces graines qui sont dans les gousses peuvent donner une nouvelle plante quand celle-ci se fane et meurt. Voilà, on est parti de la graine et on revient à la graine. On appelle ça le cycle de vie des végétaux. Montre-nous tes photos, Grégoire. Ah oui! On voit bien la graine. Puis les racines, la tige, les feuilles, la fleur, la gousse, et enfin, à nouveau la graine. Vous avez raison, monsieur le jardinier, c'est vraiment un cycle. Et il concerne tous les végétaux, les plantes à fleurs comme les arbres. Tu comprends pourquoi je ne veux pas que la poule mange toutes les graines, Julie. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à planter des cactus.